Kid Chameleon est réputé comme étant l'un des jeux de plateforme les plus difficiles jamais créés. Sa durée de vie immense, son level design pervers ainsi que les quelques problèmes de gameplay comme les écrasements le rendent extrêmement difficile à boucler pour des joueurs normaux. Nous, avec Ice Riku, nous ne l'avons jamais terminé. Et aujourd'hui, nous allons réessayer, en même temps et en adversaire. Allons-nous réussir à le terminer? Rien n'est moins sûr. Il va falloir pour cela trouver les vies qui sont planquées dans tous les niveaux, ainsi que échapper à nombreux pièges retors et au level design complètement crade de ce jeu. C'est parti pour Ice Riku et Bill Banzai contre Kid Chameleon. Salut à tous, c'est Bill Banzai et compagnie de Ice Riku. Salut. Et on se retrouve pour l'épisode 3 de Art Versus, l'émission on en prend plein l'anus. Tout à fait. Voilà, c'est le petit slogan que j'ai trouvé. c'est bien trouvé. Donc moi j'avais réussi à battre un boss. Moi j'étais dans un niveau bonus je crois, donc on recommence. T'es prêt? Ouh la vache. Ah d'accord, t'as déjà commencé, bon c'est cool. Oh, oui j'ai commencé. Alors ça fait déjà un moment qu'on n'a pas joué, donc faut qu'on reprenne. Déjà l'inertie. Mon perso il saute pas assez, des merdes. Et je me suis fait tuer, écrasé, super. J'ai plus l'habitude de l'inertie en fait. Putain, et l'inertie est vraiment chelou quand t'as pas joué depuis plusieurs jours quoi. Oui, j'avoue. Merde. En plus je suis dans un niveau qui demande d'avoir des bons réflexes et là, c'est pas facile. Oh. Ah ok. J'ai failli couper un continu, je suis content. Putain, je suis encore mort. Je vais perdre toutes mes vies dans cette connerie. Mais c'est pour des conneries en plus que je perds des vies, hein, parce que là, c'est vraiment un niveau facile et c'est parce que j'ai perdu l'inertie. Putain, merde, j'ai plus de costume. Avec mon rush. Putain, mais j'arrive pas. Voilà, j'ai perdu un continu déjà. Merci l'inertie foireuse, quoi. S'il vous plaît. Putain, je vais crever. Du coup maintenant je fais très gaffe. Ça fait combien de temps? Oh putain! Quoi? Tu verrais ma mort déjà. Franchement, c'est n'importe quoi. Pourquoi? En fait je monte, tu sais, sur la plateforme avec le décompte là. Ouais. Et puis juste au-dessus, t'as un machin qui me tombe sur la gueule. Impossible à esquiver, okay. Ou machin il arrive. D'accord, c'est gratuit. Moi j'arrive dans un niveau que je ne connais pas, qui a l'air bizarre, parce qu'il y a un peu juste au-dessus de ma tête. Ok d'accord, le skate. Est-ce qu'on a déjà eu le skate? Je crois pas. C'est pas qu'il y avait le skate. Oh oui, un timer. Putain, en fait il s'arrête pas le skate. Ça c'est chaud à contrôler. Ok, on se fait mon stage. Ok, on va passer par là. Oh putain. Après Adversus, c'est les scorpions qui m'en mettent plein l'anus. Putain. J'ai que de rebondir comme un crétin. Putain, il est incontrôlable le skate. En plus, il n'y a pas de vie quoi, il n'y a que des... En fait, ils savent que le skate est chaud à contrôler parce qu'ils t'en donnent plein, en fait, dans le niveau. Ils ont foiré. Mais heureusement, il est pas trop dur, le level. Il te donne 3 vies. Non, non, il te donne pas des vies, il te donne des skates. Non, mais je veux dire, au niveau des points de vie, quoi. Les sorties. Merde, merde. Putain, mais tu vas monter, connard. J'ai plus de skate, je suis obligé de me marcher à une piste. Oh c'est bon, le drapeau, merci. C'est parti. Ah oui, putain, j'ai perdu un continu des jeux. Merci le pyramide du péril. Je connais ce niveau. Il est horrible. Regarde, que l'on va rester dans ta tête pendant des années. Fais chier, comment il me touche là? Je suis sur la plateforme au-dessus. Putain, enfoiré, va.
je me fais canarder par un putain de nuage. Putain, c'est chaud à reprendre en main, sans déconner. Putain, les boucs. Les boucs, putain, y'en a plein. Là, ils sont morts. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose? Des petits points tout pourris. Un Jason. Un continu. Oh, merci. C'est justement ce que j'avais besoin. Ok, est-ce que je prends le téléporteur? Je pense pas, il est trop facile d'accès. À mon avis, c'est un piège. Vu l'endroit au-dessus dans le jeu, je pense que oui. Oh, je suis pas très loin. Hein. Ouais, mais enfin, t'as déjà battu le premier boss, quoi. Donc, on a eu un avant-goût. Oh, là, ça sent le secret. Attends, tu vas foutre ma gueule. La logique de la symétrie impose d'avoir un item. Bah, même pas. Peut-être que je me mène le cul, moi. Bah, la logique de la symétrie n'a pas lieu, non. Camion. Putain, mais what? Putain, la plateforme, qu'est-ce qu'elle foutait? Oh putain, il faut ramper. Ah, je spam. C'est pas mal. Moi, j'ai essayé d'avoir 50. Putain, j'ai essayé d'avoir 50 pour avoir une vie avec le Jason, mais j'ai pas réussi. Oh, une vie. Et je suis mort. Je suis mort en récupérant une vie. Hop 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 hop. Molo toi. Enfin non, pas molo. What? Hein? Quoi? Putain. Non. Sérieusement les mecs. Il reste une seconde. Tu as crevé? Où es-tu? Ah, ça va. Oui, j'ai crevé. Tu es où? Putain. Mais je suis dans un passage en fait, il faut le mec qui court. Sauf que je l'ai pas, j'ai le chevalier. Ah, c'est con ça. Oui, c'est très con, mais je l'ai pas trouvé. Moi. Putain. Adieu. 3, 2, 1, 2. Die. Épique mort. Ouais, magnifique. Donc maintenant je vais rush. Alors pour une fois on va peut-être pas tant rager que ça parce qu'il est très tôt. Enfin très tôt. Il est tôt. Donc du coup on est peut-être pas en forme pour rager trop. Ouais. Enfin, je sais pas pour toi. Mais putain. Ok, merci pour le petit peu qui m'aide. En fait faut utiliser souvent le fait que quand tu te baisses tu vois mieux. Il faut l'utiliser je pense ce truc là. Dégage. Saloperie de boucle de merde. Hein. Ce niveau est pas trop dur en fait. C'est juste que le nom est assez... Oh putain. Attends, il y a l'air d'avoir un autre passage, je vais essayer de le prendre. Vu que j'ai bu beaucoup de temps. Ah. Normalement c'est après. J'aime tuer des boucs. Ah non, par contre, moi je garde le Jason. J'ai envie d'avoir une vie. Il me reste 5 cristaux et j'ai une vie. Non ! Je suis mort. Bravo ! Et merde, faut prendre le chevalier. Ou le samouraï, je sais pas. Putain, mais laisse-moi monter, connard, aussi. Je sais pas si tu vois le niveau où le drapeau est juste à côté de toi, sauf que t'es séparé par un mur. Ah, je le vois, ce niveau. Eh merde, j'ai fait du caca. Ah non, attends, pas forcément. Voilà. Moi j'ai trouvé un endroit où il y a plein de cristaux, du coup je me fais plaisir. Vraiment plein quoi.
Et c'est juste avant le drapeau, je crois. Oui, c'est ça. Ça paraissait logique en même temps, vu que j'avais traversé tout l'écran. Je suis à 70 cristaux. Tiens, je me demande c'est quoi le pouvoir du chevalier. Je vais l'utiliser après. Mais oh, what the fuck? C'est quoi cette orgie? J'ai pas vu le niveau. Attends, le pouvoir du chevalier. Oula, y'a de l'ennemi, attends, je vais faire. Oh putain, mais c'est quoi tous ces mobs là? Oh, vous calmez les gars. Putain. Alors, pouvoir du chevalier. Oh, j'ai gagné un point de vie en plus. Le chevalier, son pouvoir te fait gagner un point de vie supplémentaire. Ah ouais? Est-ce que ça marche avec toutes les... Putain, mais avec la mouche! J'ai 4 points de vie avec la mouche! Je sais pas jusqu'à quand ça dure, mais c'est cool. Et ça a l'air de marcher avec toutes les transformations. Putain, il y a une warp, mais elle a l'air trop facile à choper, je vais pas la prendre. Putain, mais c'est pas possible. Bah je te promets, si t'arrives à choper le chevalier, Mais je peux te raconter que tu finisses le niveau pour... Que je finisse le niveau. Ah, pour savoir si ça reste longtemps. Mais il faut 50 cristaux. Hein. En même temps, c'est craqué sinon. Oh, oh non, ça c'est un passage secret carrément en arrière. Putain, par contre, là, je sais pas du tout où faut aller dans ce niveau. C'est quoi ce level? Fais chier, je suis encore mort comme une merde. Putain, la maniabilité, vraiment. C'est chaud à manier, quoi. Putain, en plus, bon, un cristal, quoi. Il y a des trucs ici. Putain, mais j'arrive pas à choper ces putains de flammes de merde, là. Plus qu'un point de vie avec la mouche. Putain, j'ai plus de la merde. Bon, je crois que l'option warp va être acceptée parce que ce niveau elle m'a l'air assez chiant. Donc on va essayer la voir. Je suis sûr que ça va être une gay warp de merde qui va m'emmener en arrière. Ok, un niveau de désert. Il a l'air assez méchant comme... Non, ça a l'air sympa encore. Par contre, la mouche... Ah, ok, il me faut le rhino. Bah, le vase. T'es toujours au même niveau? Bah oui. J'ai fait un très niveau depuis le début. Oh, des mains. Je déteste les mains. Putain, saloperie. Putain, y'a des trucs qui pètent des blocs en haut, je sais pas c'est quoi. Tiens, la main, bim, tu dégages. Ok, d'accord, j'ai compris. En gros, il faut que j'ai un chevalier, un samouraï. On va faire une tour. Et j'ai toujours mon point de vie, hein. Ok, bah alors je vais faire. Mais je pense que c'est jusqu'à que tu meurs, à mon avis. On continue. Ou continue, peut-être, parce que j'ai pas encore perdu de vie, donc je sais pas. Enfin, j'ai pas encore perdu de vie depuis que j'ai ce truc-là. Putain, je sens qu'il y a des continues par là, je sais pas pourquoi. Mais regarde-moi ça, y a plein de blocs qui ont l'air de servir à que dalle, mais je pense que parmi eux, il doit y en avoir un qui doit avoir un truc utile. Eh ben non, merci. Putain, ouh, la main. Dégage. La main qui a fait un saut incroyable pour essayer de me choper. Oula, il m'a masque une minute, faut que je mène. Oula, il m'a masque une minute, là. Faut que je me dépêche. C'est quoi ça? La merde. Et ça. La merde. Et ça. Ah voilà, j'ai trouvé le chevalier, faut que je fasse demi-tour vite. Bon, il n'y avait pas de vie apparemment dans ce niveau. Faut pas y en avoir partout. Putain, mais je déteste ces plateformes. C'est pratique d'avoir un point de vie en plus quand même. Ouais. Ok, il y a un cristal.
Ah, je vous ai mindé. J'ai trouvé un moyen de minder les mains. Quand tu te... Souvent, quand tu te baisses, elles arrivent pas à te... Ouais, j'ai fait ça. Putain. Allez, il me reste 20 secondes pour finir le niveau. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Mais ça, non, ça va le faire, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. Putain, il était bizarre, ce niveau. C'est bon. Niveau suivant. Starway to Oblivion. Putain, je sais pas ce qu'il faut aller, c'est un peu de... On commence par ça. Ok, y'a pas de sol. Ok, y'a ça. Ici, en dessous. C'est bon, c'est de la glace. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il veut pas être pas sur ma... Attends, ce niveau est très bizarre. Oh putain. Ah ok, d'accord, je vois le truc de bâtard. C'est bon, j'ai réussi. Putain, en fait, si tu regardes pas comment est le niveau, t'es dans la merde. Faut faire super gaffe. Alors attendez. Oh, je m'en doutais qu'il fallait utiliser la mouche. Il y avait une espèce de pente verticale, ça sentait la mouche, moi je dis. Bon, cette warp, c'est pas la peine de l'essayer, on sait tout ce qu'elle va nous amener, c'est-à-dire au début du niveau. Ça paraît tellement logique. Putain, je t'entends quasiment pas par contre. Tu m'entends pas? Là, je t'entends presque pas. Hein. Merde. Attendez. C'est peut-être le jeu qui est trop fort, non? Ouais, je pense. Attends, je vais essayer de baisser le son du jeu. Alors là, dans l'enregistrement, on va sûrement couper. Saute, voilà. Je m'en excuse. Non, j'essaie de continuer. C'est bien. Ah, je crois pas que l'enregistrement est coupé. Je vais bien au montage. C'est le genre de niveau. C'est quoi cette merde? Putain, j'ai eu un coup de lag parce que... Oh putain, ça c'était de l'esquive ça. Ça... Ok. Bon, j'ai activé le pouvoir de la mouche, mais en fait je le voulais pas. Hein. Oh non, oh non, oh non. Pique mon genre de passage que je déteste. Vite, on remonte. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Ici, on sait tous que c'est des fakes. Quoique, il y a beaucoup de téléporteurs. Se trouve, il y en a un bon dans le tas, mais je préfère pas tenter. Oula, c'est quoi cette phase? Putain, mais je vais crever, moi j'ai plus de vie. Donnez-moi un costume. Descends. Ça sent le secret ici. Je dis, ça sent le secret là. Même pas. Oh bah on continue. Bon, je suis mort mais... Et quand tu meurs, t'as plus le buff du chevalier. Merde. Oh putain. C'est quoi comment on utilise le pouvoir de NON de là. Ok. De quoi? Du mec avec la tornade. Je sais pas. Comment ça le pouvoir? Mais il a un pouvoir avec la tornade. Mais il peut voler, oui. Allez, effectivement, on perd le bonus. Ok, donc, à mon avis, il y a un bon téléporteur ici, parce que... je sais pas, mais vu la gueule de ce qu'il y avait après, moi, je déteste ce genre de phase. C'est ce genre de phase où tu dois éviter des plaques qui t'écrasent. Bah... Et je pense qu'il y a un téléporteur qui est bon. Putain, saloperie de boule. Oui, je prends mon temps, mais c'est parce que cette phase, elle est assez... Si tu te plantes, à mon avis, tu meurs. J'ai même pas vérifié, mais à mon avis... Ouais, voilà, c'est ça. Hop, voilà. La mouche. Bon, ce téléporteur là, je vais pas l'essayer, ça paraît sûr et certain qu'il est pas bon. Par contre, il y en avait d'autres plus loin. C'est possible qu'il soit bon. Ah merde, je me suis cassé la gueule. Ah oui, c'est très con. Eh merde, je suis mort comme un crétin. Non! Et je meurs écrasé comme une merde. Putain, ah, c'était pitoyable comme mort. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est avec vous.
je pense qu'on va en faire que... Allez. Une demi-heure? Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut faire gaffe. Là, j'ai failli mourir. Comme un débile. Oh, il y a un truc là. Putain. Il va pas se passer quand je suis un con. Passe par là. Eh merde, je vais pas passer par ouais, là. Oh la vache. Oh, quoi? Je ne crois plus jamais ça, moi. Qu'est-ce que t'as fait? Non mais j'ai pris un putain de risque. Bon, je viens de le refaire, mais... Gogol. Putain, il y a ce téléporteur là, il y a celui-là... Putain, il y en a du téléporteur. Bon, celui-là tout en bas, ça m'étonnerait. Parce que, au moins, il a l'air facile à prendre. Par contre, celui-là du milieu... Il y a moyen, je pense. Celui du milieu, celui tout en haut. What? C'est quoi cette merde? Une vie! Une vie, une vie, une vie, une vie! Yes! Je hais ce niveau, il y a plein d'endroits où on se fait... écraser. C'est quel niveau? En fait, le niveau se résout à ça. C'est quoi le nom du niveau? C'est une main... Ah. Je crois que c'est au niveau des marées. Oh putain, je crois que c'est... T'as le tornade aussi, non? Oui. Ah ouais, voilà, c'est ce niveau-là, il est horrible. Je l'ai évité, moi. J'ai pris une warp pour l'éviter. Alors moi, je suis dans un niveau bonus, je ne le connais pas. Putain, mais je viens de recrever comme une merde, quoi. Je me fais expulser, je sais pas... Ouais, une vie. Oh putain, j'ai bien fait de venir ici, je crois. Putain, j'étais arrivé à la fin, en plus. Même si c'est un niveau de marée, que j'aime pas les niveaux de marée, mais... Attends, tu veux... What the fuck, comment je suis mort, là? Ça rage, ça rage. Tu verras bien sur ta vie. Non, mais le moteur physique de... Putain, 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 ça rebondit beaucoup, ça. C'est vicieux ça comme level design. Putain, là il y a une vie, c'est pas possible. Au secours, je vais pas de rebondir partout. Putain, cette vie. Bon, ok, ce truc là c'est le troll. Oh putain, je me fais troller là, j'arrive pas à passer dans un putain de niveau. C'est bon, je suis passé. Un timer, parfait, c'est ce qu'il me fallait. En fait, c'est un putain de niveau, t'as des trucs qui rebondissent partout. Mais partout, quoi. Sur les murs, dans plein milieu du passage, t'en as partout. Oh, une vie. Oh non, un casque de mouche. Oui, à moi. Hein, une vie, la vie, la vie. C'est bon. Putain, j'ai bien fait de passer par là, il y a plein de vie, en fait. Putain. Oh, mais ça me saoule, ce niveau. Ah, je hais les écrasements. Dans ce jeu-là, c'est horrible. Le pire, c'est... Ils ont fait ça, quoi. Enfin, ils ont fait ça comme si c'était un piège. Bah, c'est un piège. J'ai encore 3 minutes. Je vais essayer d'aller récupérer... Bon, on s'en fout, allez, on passe à la suite. Bon, bah, très bonne warp. J'ai gagné 2 vies. Alors, où est-ce que ça va me ramener? Le mystère. Dans le même niveau, le troll. Mais je m'en fous parce que j'ai gagné 2 vies. Donc ça valait le coup. Clairement, ça valait le coup. Et ben, il y a l'autre warp zone que je vais essayer. Si ça fonctionne toujours pas, bah, il n'y aura plus qu'à faire le niveau normal. Et là, par contre, je donne pas cher de ma peau parce qu'il a l'air très dur. Donc, un conseil... Oh non, quoique, non. Non oh. Putain, on va pas avoir... Je vais pas avoir beaucoup avancé, moi, pendant ma partie. Hein. J'ai fait que 4-5 niveaux. Bah... moi, j'en ai fait 3. Allez, on essaie la warp zone qui est tout en haut. Moi je dis elle est suspecte. Et après si ça marche pas, bah on la l'enclit. Oh putain. Ok. Ah, nouveau niveau, peut-être que... J'ai fini le niveau. Lequel? Niveau du marais. Bravo, parce que franchement celui-là il est pas évident.
Tu arrives où? À King's Island. King's ça Island. Ne dit rien. Mais vu que j'ai le tornado, hop. Faut pas se faire chier. Parce que le level en haut. Oui, je suis un fumeur. Non, mais il faut faire ça, hein. Et voilà. Et c'est juste que moi, j'espère pas assez. Un timer. Là, par contre, ça sent la vie. Tiens, attends. Oui! Oh non, non! Costume, costume. Date continue que je viens de trouver, je suis content, là. Oh, elle est sortie. Putain. Bon, bah, j'ai passé le niveau... Alors là, par contre, ça sent la mort, mais à mon avis, la récompense pour une vie, ça vaut le coup. Ouais, j'ai pris le risque, mais ça valait le coup, j'ai eu une vie. Faut juste pas que je meure, maintenant. Ah, Jason. Ah. Merci pour les pierres, ça sert à rien. Il y a des trous, je sais pas où ça mène. Ah, ça mène dans un trou, en fait. Père. Putain. De toute façon, dans ce jeu-là, tout est une affaire de trous, n'est-ce pas? Mais crève, putain! D'ailleurs, on vous donnera notre avis sur le jeu quand la Hard Versus sera terminée, je pense. Non, ça peut être sympa de donner notre avis sur le jeu, ce qu'on en a pensé et tout ça. Putain. Ça se joue mieux au millimètre près et je meurs. Mais c'est pas grave, j'ai gagné une vie, j'ai gagné un continu. C'est pas... Honnêtement, je crois que j'ai fait des bénéfices sur cette partie. De vie. Moi, j'ai gagné un continu. Par contre, au niveau vie, j'ai tout perdu. Ah. Par contre, là, il me faudra un Jason parce qu'il y a moyen d'avoir une ville. Ouais, encore un ou deux niveaux et on s'arrête là. Ah, sorti. Ça va, ce niveau c'était que des petits sauts. C'était quoi ton comme niveau? Je sais plus, je sais pas. Je préfère continuer. Oh, niveau du bitch. Hein? Non, c'est... Aspirateur. Ah non, c'est Go Skate. Ah, t'es au niveau que j'étais tout à l'heure. Tu peux m'expliquer comment on fait pour éviter? Alors là, j'ai eu un gros bug, c'est le bouton comme pour lancer les haches. Là, il y a eu un gros bug du moteur physique et je vais pas me plaindre, ça m'a sauvé la vie. Attends, là, ça sent la vie, là. Juste avant le drapeau, comme ça. Ah non, c'était juste un timer tout pourri. Et voilà, j'ai fini le niveau. On finit encore un niveau et on s'arrête? Bah ouais. J'arrive au... Ah bah je suis au deuxième boss, donc en fait je vais peut-être pas faire le boss maintenant si... Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais comme tu veux. Bon bah on va commencer. Putain. Ok, samouraï. Oui là ça pique ça. Je suis dans la merde, je vais crever. Je connais les boss de Kid Caméléon, voilà je savais qu'il était là. Oh merde. Putain. J'ai perdu, on continue. Par contre, point positif. Là, je suis en train de le massacrer, lui. Oula, par contre, là, faut faire gaffe. Bon, on va fouiller le niveau, peut-être des trucs cachés. Bah, hop, c'est parti. Une vie, un Jason, donc je récupère une autre vie grâce aux 50. Putain, je gagne plein de vie, là. Et là, il y a un continu que j'ai depuis vachement longtemps. J'ai 7 vies. Dans mon continu. Oh putain, j'ai tué une tête. Putain, il est facile, lui, je crois. Donc je profite du Jason. Ouais, Jason, c'est quand même assez pété sur les... Sur les boss. Bah en fait, il est... Oh putain, il était facile à trouver, le Jason. Par contre, j'aime pas ça, parce que, en fait, il y a plein de petites trampolines qui te gênent dans tes déplacements. Oh putain! Moi je saute dans les piquets. Bon, pour l'instant je gère comme un dieu.
Mais vraiment quoi. Putain, j'ai plus qu'une tête à battre et je gérerai comme un gros porc. Shit, god, god. Putain, il commence à y avoir du skill, moi je dis. Il y a des trucs en bas, peut-être qu'il y a une nuit. Je me prends des dégâts, hein, c'est pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant là-dedans. Plein de cristaux. Pyramide of Peril. Ah. C'est pas le niveau où t'étais ? Oui, c'est celui-là. T'as, je crois que t'as un continu dedans. C'est peut-être une... l'air d'être à un niveau bien relou, donc j'essaie de rusher. En plus, la mouche, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah oui. Merde, j'ai plus de vie. J'ai plus de Jason, là, faut que je finisse à la main. Ah ok. Putain. Allez, crève, s'il te plaît. J'ai plus qu'un point de vie. Situation critique. Y a pas un putain de casque planqué quelque part? S'il vous plaît, un casque. Putain, y'a pas de casque. Finalement, je vais peut-être pas le battre du premier coup de boss. T'es fait buter là? Non, pas encore, mais là, il me reste une tête et il me reste un point de vie. Et je l'ai quasiment tué, je pense, mais... Et il m'a tué. Est-ce que je retente ou... Ouais. Bah moi, j'ai pas fini mon niveau et j'ai pris une warp. Warp avec... D'accord. Tornado. Attends. T'as encore le tornado? Je suis con parce que c'est con parce que j'avais bien joué, j'ai juste fait le con en fait. Bon, en fait, je suis revenu dans le même niveau, sauf que bah maintenant j'ai tornado, ce qui est plutôt pas mal. Oh putain. Yay. Non. Merci. Merci le Jason, le Jason, le Jason. Ça part copé, dommage. Putain. En fait, ce que j'ai fait, ça n'a servi strictement à rien. T'as perdu le truc des directs. Oui, puis j'ai récupéré le Jason. Bon, une tête. Putain. Oh, ça m'a l'air d'un niveau bien affreux, ça. Je l'ai passé en 2 vies ou 3, je sais plus. Il y a pire après. Hein. Putain. Putain, honnêtement, je gère plutôt bien. Je suis content de moi là. C'est bon, il est mort. Plus qu'une tête. Et ce coup-ci, faut pas faire le con comme tout à l'heure. Bon, je finis. Je bats le boss. Et on arrête. Je suis en train de massacrer là. Il y a du massacre de boss là. Bon, ça me rassure, je t'ai quand même rattrapé. Bah je prends mon temps moi, t'as oublié. Je suis assez lent. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu le boss. Le boss. Bon, donc bah, on va s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter sur le nom du niveau suivant. Le prochain niveau s'appellera Wood of Despair 1. C'est l'heure de faire la petite... Donc là, l'enregistrement a arrêté, c'est normal. Je relance. C'est juste pour vous montrer. Je fais la save tête. Et on voit...